jours, c'est quelque chose d'assez sérieux. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de rire. Donc, par besoin, j'entends, c'est quelque chose de vital, quoi. Et j'aime rire, mais j'aime faire rire, surtout. J'ai besoin de faire rire. Alors, pourquoi j'ai besoin de faire rire? Est-ce que c'est parce que je veux qu'on m'aime? Est-ce que c'est parce que je veux... est-ce que c'est parce que c'est la seule chose que je peux transmettre, finalement? J'ai que ça à offrir, quoi. On ne peut pas faire rire en permanence, dans toute situation et avec tout le monde. Ça, c'est impossible. Forcément, c'est arrivé à tout le monde d'arriver à un moment où on est coincé, en fait. On est coincé, et souvent, c'est justement pour des raisons assez profondes, assez difficiles à expliquer, mais à ce moment-là, on n'arrive pas à communiquer quelque chose avec l'autre. J'ai l'impression que le rire, c'est quelque chose qui provoque en fait une putain d'émotion, qui permet tellement une communication et un putain de lien avec l'autre, qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pas pu, quoi. J'ai pas pu avec certaines personnes, ou alors dans des moments où moi-même j'étais dans un état psychique, on dira ce qu'on voudra, dans un état finalement qui est... un état qui justement ne permet plus ça. Alors c'est terrible parce que je peux même pas m'imaginer être quelqu'un sans humour. Déjà pour moi ça n'aurait pas de sens, l'existence n'aurait pas de sens. Vivre sans rire, c'est comme vivre sans bouffer, boire, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est quelque chose de l'ordre des besoins vitaux. En fait, je communique avec moi-même en permanence. Et dans cette communication intérieure, je dirais, effectivement, je me considère comme drôle, parfois comme un être d'esprit, je dirais. Et ça, forcément, j'ai envie de le partager. J'ai envie de partager ça avec les autres. Et pour en venir simplement à cette difficulté que j'ai moi avec l'humour, mon propre humour du coup, c'est que, et c'est dur, hein, mais c'est qu'il arrive que je le perde. Il arrive que je sois désarmé parce que finalement, c'est comme si c'était mon arme à moi. Alors il y en a d'autres, c'est autre chose. Bah moi, mon arme à moi, c'est l'humour. Alors vous imaginez, un guerrier sans son épée? Eh ben moi, je suis un guerrier du monde social, je suis un guerrier social. Alors sans mon humour, je suis à poil. Et avec mon humour, je suis en costume, cravate, trois pièces, si on veut. C'est-à-dire que là, je suis le virtuose pendant quelques instants, quoi. Et peut-être que je suis le taureau dans son arène qui aime être vu. Évidemment que... il y a forcément une fonction de l'ordre de l'ego. Il y a forcément cette idée narcissique. Mais si on élimine tout ça, qu'on arrête de psychologiser et qu'on regarde finalement là l'être qui est à poil, qui est là et qui parle, ben ouais, on a tous des armes. Et ben moi j'ai la mienne.